Paris was where I came when I first left home. I'm going to meet a lot of different people and ask them how they feel about what migration is, how they've made their success stories in this country, the country that I've always found to be a place of opportunity. Hi, I'm about to go and meet Fatima, who is a young lady who's a choreographer, a dancer. She's mounted her own spectacle, and she's black, and it's called When I Discovered I Wasn't White. So I've no idea what it's going to be about, but I'm looking forward to it. Bah, Fatima, merci beaucoup de m'avoir, comment on dit, accueillir. C'est ça. On est dans un théâtre quand on même. On est dans un théâtre. Et tout à l'heure, vous allez jouer, tu vas jouer la pièce? Non, alors, moi je ne vais pas danser, mais tout à l'heure, ça va être la troisième soirée d'un festival que j'organise. D'accord. Qui s'appelle Génération A. On est ici au Théâtre Paris-Villette. Et c'est un festival qui accueille pendant 5 jours de jeunes chorégraphes africains qui font de la danse contemporaine. Waouh! Et donc, est-ce que vous avez des racines en Afrique? J'ai un père sénégalais et du coup une partie de ma famille paternelle qui vit encore au Sénégal. Ouais. Mais tu n'étais pas née là? Non, moi je suis née à Genève. À Genève, ok. Ma famille, ma mère est suisse et ma famille maternelle est suisse depuis 6 ou 7 générations. Donc, Ah, waouh! En tout cas, là où moi je vivais, qui n'était pas Genève-ville, qui était Genève, périphérie de Genève, oui. On n'était pas dans la plus grande des mixités. Pour donner un exemple, je pense que la première personne noire que j'ai rencontrée, c'était au collège, c'est-à-dire aux alentours de 13-14 ans. Ah, ok, d'accord. Jusque-là, il n'y avait pas de voisins ou d'amis. Voilà, les gens venus d'ailleurs à cette époque-là, c'était plutôt de pays méditerranéens comme le Portugal, comme l'Espagne ou l'Italie, puisqu'il y a une grande immigration à cette époque-là. Ah oui. Donc pendant le primaire, c'est ça qu'on ouais, dit ouais. Tes amis étaient des amis et personne n'a dit ouais, « moi je suis blanc, toi t'es noir ». J'ai été élevée dans cette idée qu'il n'y avait pas de différence. Ce qui est une idée très sympathique, ouais. Mais en vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc moi, je me suis prise, je pense, au jeu de me dire que dans le fond, c'était absolument normal. Et que dans le fond, même si j'ai un prénom extrêmement connoté, j'ai un nom Ndoye au Sénégal, c'est comme Martha en France, quoi. C'est un nom vraiment très très familier au Sénégal. Ouais. Je me suis quand même construite dans l'idée que finalement, j'aurais pu m'appeler Stéphanie, que j'étais quand même un peu blanche, mais la question de l'identité et de la couleur en tout cas, ça s'est posé plus tard, je dirais aux alentours de 20 ans. Ouais. 18-20 ans. Tu es partie à Paris à 20 ans quand même. Ouais, ouais. Et donc, c'était comment au début à Paris? Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré beaucoup de gens qui déjà venaient d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas en Suisse. Oui. Même si l'ailleurs, c'était pas très loin, même si les gens venaient de Nantes, de Bordeaux ou de Marseille. Et donc, est-ce que tu trouves que Paris, c'est en ville multiculturelle? Oui, quand même ça, très. Indéniablement. Ouais. Oui. Et donc ça, c'était une grande différence, mais est-ce que ça ouvre l'esprit un peu quand même? Moi, ça m'a surtout soulagé l'esprit. Ah oui? Quand je suis arrivée. Par exemple, je vais te donner une anecdote, je crois. J'ai une certaine politesse, mais parce qu'en Suisse, on est très poli. Oui. Mais je crois développée parce que, étant grandissant dans un environnement où tous les gens portaient une couleur de peau autre que la mienne, ouais. J'ai l'impression que j'ai souvent eu besoin de me défendre ou de rassurer en disant « je suis noire, mais je suis quand même sympa voilà. ». Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment de ça. J'ai souvenir ouais. adolescente, même si je ne me le formulais pas comme ça. Mm-hmm. Mais que même quand je faisais du babysitting, que je mettais des petites annonces à la boulangerie, je précisais « appeler Fatima ». Parce que j'avais peur que les gens, en ouvrant la porte, ils s'imaginent que j'étais blanche ou que j'étais pas celle qu'ils avaient imaginée. En tout. Et voilà. Donc... ton spectacle, il s'appelle, et c'est toi qui l'as écrit. Ouais. Et il s'appelle « Quand j'étais blanche ». Oui, c'est ça. Ouais. Alors, dis-moi, ça parle de quoi exactement, en fait? Alors ça, c'est un spectacle que j'ai fait il y a 6 ans, un truc comme ça. Enfin, d'accord. J'ai tourné pendant quelques années, jusqu'à effectivement 2 ans. En fait, ce qui s'est passé dans toute cette histoire de Paris et toutes ces années-là, j'ai retrouvé mon père. Et donc, j'ai retrouvé mon père... qui vivait au Sénégal, que je n'avais pas vu pendant 22 ans. Ouais. Donc, j'ai fait ce voyage-là, j'ai retrouvé et mon père, et toute une famille, et puis toute une culture. Enfin, c'était tout un monde, quoi. Voilà. Oui. Et surtout, je me suis rendu compte là-bas, même si j'étais déjà partie un peu en vacances
dans différents pays d'Afrique, mais vraiment comme une touriste, quoi, faire un safari au Kenya ou comme ça. Oui. Bon, je me suis rendu compte que là, j'étais étrangement blanche quand même dans l'environnement de ma famille. Oui. Et que ça posait d'autres questions, enfin, qui n'est pas le... Que là où j'avais toujours eu peur d'être un peu trop noire dans l'environnement dans lequel j'étais, ben tout à coup, ça inversait complètement les choses. Non, et aussi le fait que tu es très indépendante d'avoir partir à 20 ans à Paris, de faire le voyage en Sénégal, de monter en spectacle. Mais c'est intéressant parce que depuis que j'ai rencontré les filles à Paris, il y a pas mal qui parlent un peu de féminisme. C'est quoi le féminisme pour toi? Comment tu le comprends pour toi-même? Alors, pas en tout cas dans quelque chose qui serait un grand mouvement collectif. Moi, c'est pas là où je me retrouve. Par exemple, c'est tout autre, hein, mais là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'organise un festival de danse contemporaine avec de jeunes artistes africains. Bien pour moi, c'était important d'organiser cette manifestation en allant chercher des femmes, parce que je sais qu'être danseuse en Afrique, c'est déjà quand même pas très simple d'être danseuse dans plein d'endroits du monde, ouais. Mais être danseuse contemporaine au Niger, au Cameroun, au Burkina, c'est quand même encore vraiment autre chose. Surtout quand on a passé 25 ans, parce que généralement on a des enfants, que c'est compliqué de ne pas en avoir, alors oui. Qu'ici on peut avoir la sensation d'avoir plus de choix à ce niveau-là, ce qui n'est pas là-bas. Et je voulais faire une programmation, par exemple, où les hommes et les femmes étaient présents de la même façon. On n'a pas réussi à avoir autant de femmes que d'hommes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, je veux dire, chacun son combat. Le mien, en tout cas, il n'est jamais dans une communauté définie. Voilà, je suis ni Black Panthers, ni féministe, oui. Parce que c'est pas là où je me situe, en tout cas. Je me situe jamais très à l'aise dans des choses qui communautaires sont... et excluantes du reste. Voilà. Et donc, pour toi, c'est quoi le réussite dans la vie? C'est quoi le succès pour toi? Oh bah déjà, d'être libre, ça c'est un... Oui. Je pense que ça, ouais. C'est un succès. C'est une chance extraordinaire de pouvoir déjà choisir un peu. Non, enfin, de pouvoir choisir sa vie et de choisir la façon dont on la mène. Moi, j'ai juste des objectifs de continuer, en fait. Oui. De continuer à faire ce que j'aime, et puis c'est très différent parfois de ne pas m'inquiéter. En tout cas, maintenant, je m'inquiète beaucoup moins. Parce qu'avant, je me disais, alors, est-ce qu'il faut faire de la danse? Est-ce qu'il faut faire du théâtre? Bon, bah, maintenant, en ce moment, je fais un festival. Bon, bah, très bien. Tu fais ce voilà. Qui te plaît. Ça me paraît un luxe inimaginable. Mais après, je suis aussi née dans un endroit qui m'a permis d'aller à l'école. D'avoir l'éducation. Parce que les gens disent, en fait, qu'avec des enfants, tu peux faire deux choses. Un, leur donner l'éducation et deux, l'amour. Après ça, la happiness, c'est pour eux. Oui. Et donc, tu avais l'opportunité d'avoir quelqu'un qui t'aime et une très, très bonne éducation. Et du coup, la vie est très différente. C'est vrai. Mais ça, effectivement, je suis assez d'accord. En tout cas, l'éducation, oui, c'est vraiment important. Et, l'éducation au sens très large. Partout, hein. Oui. Et l'éducation, c'est aussi avoir l'opportunité d'aller voir ce qui se passe chez son voisin, même si c'est tout près. C'est avoir la possibilité... ce qui, moi, je trouve, était fou qu'on ne nous apprenne pas plus tôt, de dire « ouvre grand tes yeux et tes oreilles » et tu verras qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, quoi. Juste en ouvrant grand ses yeux et ses oreilles. Mais franchement, ça, c'est parfait. Hein. Oh, bah écoute. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est parfait comme phrase pour finir. Bon, très bien. Merci, Charlotte.